Les attaques russes s'intensifient à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Kiev a annoncé avoir repoussé plusieurs offensives autour de la localité au cours des dernières 24 heures. Bakhmout reste aux mains des forces de Kiev. Les Ukrainiens luttent jusqu'au dernier homme, a reconnu dimanche le patron du groupe Wagner qui épaule l'armée russe dans la zone. Alors que les combats acharnés se poursuivent, le secrétaire général de l'ONU voit les perspectives de paix s'éloigner. The Russian invasion of Ukraine is inflicting untold suffering on the Ukrainian people with profound global implications. The prospects for peace keep diminishing. The chances of further escalation and bloodshed keep growing. I fear the world is not sleepwalking into a wider war. I fear it's doing so with its eyes wide open. Illustration de l'inquiétude des pays voisins de l'Ukraine, l'armée polonaise a déployé des batteries de missiles Patriot de fabrication américaine dans sa capitale, dans le cadre d'exercices militaires. Varsovie prend des mesures pour renforcer ses capacités défensives, alors que la guerre lancée par Vladimir Poutine dure depuis bientôt un an. En Ukraine, les scènes de funérailles de soldats morts au combat sont quotidiennes. Ces images montrent l'enterrement d'un militaire ukrainien tué dans des échanges de tirs d'artillerie le mois dernier dans l'est du pays.